Oui, bonjour Gérard, nous sommes aujourd'hui en direct de Textilo. Hello Gérard, we are in direct of Textilo today. Je suis with David Vauden. And David, est-ce que vous pouvez nous faire une présentation de vous-même? Can you present you himself? Because nous ne vous avons pas trop vu cette année et nous voudrions savoir pourquoi. Écoutez Gérard, je me suis blessé en début de saison. J'ai été gravement blessé puisque ça fait 5 mois que je n'ai pas joué. J'ai passé beaucoup de temps en rééducation à Cap-Breton et là cette semaine je vais normalement pouvoir reprendre du terrain, tâter du ballon et faire des mêlées. Comment s'est passé cette première en tant que capitaine à Luçon? Elle s'est plutôt bien passée étant donné qu'on était allé chercher la victoire à Orléans et que nous l'avons ramené dans nos bagages. Seul point noir de l'histoire, le capitaine Johan Wasserman qui avait été mis au repos s'est cassé la main et du coup j'ai été obligé de prendre la relève sur cette fin de saison. J'ai entendu parler d'une autre passion exercée depuis très longtemps avec ton grand-père et ton père qui t'amenait étant petit faire un autre sport complètement différent du rugby. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus et nous présenter cette passion à nos téléspectateurs aujourd'hui? Eh ben écoute, ce sport c'est tout simplement la pétanque. La pétanque, c'est vrai que quand j'étais petit, j'allais à la pétanque avec mon grand-père maternel et j'y ai passé des dizaines, voire même des centaines d'après-midi à regarder les anciens jouer et à jouer avec eux. Et c'est vrai que c'est un sport bon, qui est peut-être un peu moins physique que le rugby, mais qui est sympa, qui est très sympa. Et c'est vrai qu'on peut toujours passer un très bon moment en jouant à la pétanque et encore plus quand on joue avec un pote. Quand est-ce que je vais avoir une belle sœur? Je crois que c'est la question que se posent tous les téléspectateurs aujourd'hui. Je fais beaucoup de recherches, c'est même mon nouveau métier, je suis chercheur en ce moment. Et bah écoute, j'aimerais bien trouver la solution et j'espère que je te l'apporterai le plus rapidement possible. David, si tu étais un joueur de pétanque? Je serais Philippe Quintet pour sa corpulence. Mon petit Pierrick, si tu étais un pilote de rallye? Je serais Harry Vatanen, le pilote du Grand Mendes. Et un plat traditionnel originaire de chez toi? Le gratin dauphinois de ma mamie. Un club de rugby? Le rugby club Obonavals. Et un film? Les Visiteurs 2. Et un acteur? Je serais Prosper le purineur, c'est moi qui ramasse le purin. Et une montre? Une montre Bouchereau en or 18 carats. Et un mécanicien? Polo, parce que je prends soin des outils. Un gendarme. Un gendarme qui pue des pieds. Le maréchal des logis Gibon. Une actrice de film X. Et Clara Morgan, pour sa coupe de cheveux. Et une voiture de rallye. La Golf 1 GTI de mes parents. Une boisson alcoolisée. Le vin de la vigne de mon grand-père. Et un produit de ton Ardèche. Et la Mauche, un estomac de cochon farci avec du chou et de la viande. Et un fast-food. Et McDonald's pour ses salades César. Et un animal sauvage. La biche, parce que j'ai les mêmes yeux. Pâtisserie. Un choix à la chantilly. Et un pilier de l'équipe. Et Vincent Awari. Pour son physique hors norme. T'es un petit Vera de Luçon. Et Issey Colati. T'es un dessin animé. Et les fous du voile. Un barbu célèbre. Alan dans Very Bad Trip. Si tu étais un homme politique. Et DSK. Excusez-moi, je sors de la douche. Si tu étais un entraîneur de foot professionnel. Autant sur le plan tactique que technique, je crois qu'on n'a pas gagné depuis 14 matchs. Étant tous deux originaires de régions montagneuses, nous avons décidé de vous interpréter La montagne de Jean Ferrat. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle.